Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Holy Knight. On va tuer ce putain de scarabée. Et on va voir, bah on va voir. Ok, 3 PV il fait. Là c'est de ma faute en vrai. Là je troll. Sérieusement? Ok, j'ai une mid life. Tiens enculé. Tiens enculé. Aïe. C'est vrai que 6 PV en 2 attaques ça pique hein. En fait, du coup je peux me prendre que 3 attaques en fait. C'est parti. J'aurais bien l'atomisé pour plus jamais en parler de lui hein. Sérieusement. C'est le manque de chance, c'est vraiment pas de chance de se faire one shot en deux coups. Bah les couilles mec, je vais te détruire ta mère. Je vais te détruire ta mère mec. Je vais apprendre ces patterns par cœur, j'en ai rien à foutre. Mais en vrai là quand je perds je troll hein. Ah non, je voulais. Mais comment ça se fait que je cherche mes touches, putain? J'étais en train de chercher S et A, putain. Là, je connais pas de mes touches par cœur, bordel. Putain, je suis là en mode. C'est où S et où A, putain. Aïe. Oh
Aïe, putain. Ok, j'ai mis midlife. Oh, mais sérieusement, putain, quel enculé. Quel enculé, elle se TP plus vite que moi là. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça quand il fait ça là. Quand il se TP 8 fois plus vite que moi, j'aime pas ça. J'ai envie de le claquer, calme-toi, détends-toi. Je suis là en mode putain, mec, qu'est-ce qui se passe? T'es excité ou? Makunda, Makunda. Paf! Qu'est-ce que tu vas faire? Paf! Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, c'est rigolo! Putain, le corps à corps, qu'est-ce qu'on disait sur le corps à corps? T'arrêtes le corps à corps, ça nous emmerde le corps à corps, on aime pas ça le corps à corps. T'es roi, c'est des bourses là, t'as fait des vieilles merdes. C'était putain de roi, on va t'enculer mon pote. Ouais, dans son rêve ça ressemble à ça chez lui. Et bah putain mon pote, t'es pas prêt hein. Non, t'as juste de la merde partout, c'est moi qui te le dis. Allez, Mahunda, Mahunda, tiens dans ta gueule, Mahunda de PD là. T'as cru quoi, t'as cru que j'avance, t'as cru que j'allais t'avancer vers toi là? Mec, tu putes, t'es un putain de... Tiens, mais on va te reprendre la vie un peu. Je crois que... Arrête le corps à corps. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le corps à corps, mec? Mais comment tu fais pour taper au corps à corps? Même moi, j'ai pas autant de range, mec. J'ai deux améliorations de range. Tu sais ce que c'est, deux améliorations, enculé? Mais... Mec, si t'as zéro amélioration, tu te fais détruire pour ce boss. C'est incroyable. J'ai deux améliorations, hein. C'est-à-dire que j'ai consommé 5. J'ai deux améliorations, j'en ai qu'une seule. Non, j'en ai qu'une seule, j'en ai qu'une seule. Attends, pour moi, j'en ai qu'une seule. Mais une seule de niveau 2, genre. Oh, par contre, ça c'est le genre de truc que je comprends pas avec ce boss. Genre, des fois il veut se dire tiens, je vais faire des machins que j'ai jamais fait. Genre, puis je vais te mettre des attaques au corps à corps. Je... Mais. Je comprends pas, genre. Ta gueule avec ton Makunda de merde là, la prochaine fois que j'ai juste envie de t'enculer pour que t'arrêtes de dire Makunda là, ça m'énerve. Makunda, fils de pute, ça veut rien dire, tu vis dans de la merde, t'es un bousier mon pote. Et puis tu fais 3 points de dégâts en une attaque genre. C'est le dernier plus. C'est pas le boss le plus dur mais putain de sa race. Bah bah voilà là, c'est du trolling, il a jamais fait ça au début, il le fait là. Ah bah pas de chance, voilà. Mais arrête de faire ça, tu l'as jamais fait, qu'est-ce qui se passe? Tu y a des ailes qui t'ont poussé, mon pote? Il l'a jamais fait, là il dit, oh tiens, peut-être que ça serait sympa à faire finalement. C'est plutôt rigolo quand même. Ouais, je suis débile aussi. Le mec, il a des nouvelles attaques. Je l'ai tué 4 fois d'affilée, des nouvelles attaques. Il y a des ailes qui lui sont poussées, genre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jamais ça, ce con. C'est la première fois que je vois faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es énervé, René? Ok,
je l'avais vu venir. Je l'avais pas vu venir. Nique ta mère. Bon alors. Casse les couilles, putain. En plus, ce qui m'énerve, c'est qu'il a un pattern ultra simple. C'est juste, quand il met un coup, t'es mort en fait. Putain, je déteste ce Makunda. Hein. Mais putain, ce fils de pute là. Alors, voilà, je vais voir. On va voir que c'est plus génius entre nous. On va voir qui c'est, le génie. Ouais. Attention aux attaques de CAC, hein, on finit par les connaître, on commence à le connaître ce fils de putain. Aïe. Aïe. Mais arrête. Le boule parfaitement calculé, bon ok. Ok. Alors. J'ai hâte de le tuer et de passer à un autre boss là, j'en ai ras le cul. Mais tu fais pas ça au corps à corps, putain, c'est une attaque à distance. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Mais ouais, je crois que je vais l'insulter, Jean. Je crois que je suis invulnérable à hein, chaque fois, hein, mais je sais pas ce qui se passe, hein, je fais des dashs dans le vide alors que je pense que je suis invulnérable. Alors. Par contre, il y a vraiment des mecs sur internet qui sont mauvais, hein. Ils disent, ouais, c'est 25 heures de jeu, j'ai l'impression d'avoir que 20%. Mec, il y a juste des boss à tuer, j'ai terminé le jeu en fait. Hein. Je déteste cette attaque de fils de pute. Hein. Hop là. Ah, sors un peu ta petite tête de pute là. Ah oh, putain, qu'est-ce que je déteste ça au corps à corps là. Par contre, en plus, quand il heal tout masse là, vraiment j'ai envie de le pénétrer. Hein. Mais arrête au corps à corps, je suis en train de me heal, putain. Ta mère, elle t'a jamais appris le respect, enculé. Quel enculé. Ah par contre, je déteste Masuda, j'en ai ras le cul en fait. Hein. Je vais aller sur internet, je vais voir celui qui a fait les bruitages, je vais mettre un dislike sur son Twitter, hein, c'est pas possible. Hein. C'est horrible comme bruitage, ce bruit de merde. Et si t'es pas foutu de comprendre qu'ils en ont rien à foutre de toi, t'es dieu là. C'est que t'es une pauvre merde. Non mais qu'est-ce que je suis con. Mais c'est... Mais arrête avec tes attaques au corps à corps, t'es pas un mec de corps à corps, putain t'entends ça? J'en peux plus là, ça devrait pas faire des dégâts comme ça cette putain d'attaque là. En plus, il la met bien devant ta gueule là, et après il la jette. Mais il la jette en l'air alors qu'il te frappe au sol, c'est totalement débile. Le raisonnement est con genre. Quand tu jettes un truc en l'air, tu t'as pas un mec qui est devant toi, genre c'est pas comme ça que ça marche. Faites le test avec votre grande sœur ou j'en ai rien à foutre, faites le test avec quelqu'un de votre famille si vous tapez. Devant vous, c'est pas comme ça que ça va réagir en fait. Oh mais là, ouais bon là insultez ma race. Insultez moi comme si j'étais votre shit. Ah
Arrête là, j'en peux plus. C'est... Mec, je vous jure que c'est... Il fait jamais ça, genre c'est... Mais arrête! Arrête avec tes attaques de corps à corps, arrête! Le mec, il ose mort, je vais faire tout le temps. Arrête! T'es pas un corps à corps, j'en peux plus de toi. Tiens, une putain d'attaque au corps à corps, là. Culé, va. Tiens, dégage. Ah, il commence à m'énerver ce boss de merde. Mais. Putain, y'a le bout de son cul qui me touche quoi. Ah là, je suis con, je savais pas où elle est et tout. Y'a le bout de son cul qui me touche. Putain, c'est horrible. Horrible, hein. Vraiment, je prends pas de plaisir, genre, je comprends pas comment ça marche là. Si on enlevait le bout de save box là, de merde avec sa boule, tout irait vachement mieux là. Mais vu qu'elle est là, ça c'est horriblement casse-couille. Voilà, je vais lui mettre que des coups sa mère, puissants comme, comme si c'était un chauve là. On va voir s'il va kiffer ce fils de pute. Les boules elles font. Elle lui déchire le cul. J'en ai rien à foutre. Tu vois. Ah, on s'amuse, hein. On prend du plaisir, hein. C'est de pute, va. Ah ouais, moi, quand on la joue pute direct, hein. Sors avec tes petites boulettes, là. Je vais t'apprendre à m'en faire, hein, des mois, des macumba de merde. Voilà, c'est ça. Là, je quitte un peu, là. Oh, par contre... Mais arrêtez! Comment c'est possible de prendre des dégâts quand tu tapes dans une boule pour l'éloigner? C'est quand même vachement con, non? La boule, tu la frappes pour qu'elle se casse de toi, et tu vas prendre des dégâts parce que tu l'as frappée, alors que c'est une boule que, normalement, d'habitude, quand tu la tapes, elle s'en va. C'est totalement illogique. D'habitude tu mets un coup, elle s'en va, là tu mets un coup, elle te tape, c'est quand même con. C'est... Qu'est-ce que... Moi faut que je devine, c'est ça? Ah mais mon pote t'es pas prêt, non. Je vais te sodomiser, hein. Tu vas jamais... T'as jamais vu ça, mec, hein. Ah, t'es petit... Tiens, enculé. Tu crois quoi, que je suis ta fat daronne, moi? Je suis pas ta fat daronne. Mec, là je te mets des... pas. Mais meurs, vas-y, laisse-moi. Non, je vais pas mourir. Mais vas-y, suis moi là et vas-y. Tiens, voilà, j'en peux plus, genre. Vas-y, ça a mal commencé là. Je sais pas comment il m'a touché. J'ai mis un coup dans le truc là parce que j'ai pas été assez patient. Putain d'héros d'enculé. Tout ça parce qu'il tue 3 points de vie, il tue 2, je déglingue sa race, hein. J'ai droit à 3 coups, quoi. Surtout que moi je me régène un par un. En fait, limite, ouais, bah, ça sert à rien de se régène. Et maintenant, ça sert à rien de se régène avec ce boss, voilà. Ah mais qu'est-ce que je suis con! Mais mets-toi vite en boule aussi! J'attends ça pour que tu me régènes là! Putain, c'est quand même vachement bizarre ce mec là! Comment ça je le déglingue? Il commence à avoir des nouvelles attaques que je fais jamais. Genre là il le fait plus. Et puis quand j'ai plus de vie, il se met plus en boule. Genre c'est quoi ce truc? Mais jusqu'à maintenant il le faisait, c'est quand même... Putain, il est trop bien programmé! Il joue pas d'autre solution que... Un programme trop bien fait, genre. Voilà, là il se m'emboule, mais... Oh, j'ai cru que... Oh, je suis trop con. Ouais, ouais, tue-moi, là. Vu comment j'ai pu la merde, tu peux me tuer. Ouais, Igomas, ouais.
Mais c'est fou de développer de la rancœur et de la haine pour un petit perso, quoi. T'aimes pas jouer salope? Eh ben moi je vais jouer salope, voilà. C'est pas compliqué, hein. Tu joues pas salope? Tiens! Oh par contre, non, ça par contre c'est le best-of. Ouais. Oh!
Meurs! Je ne veux plus entendre parler de toi, tu es mauvais! Non, arrête de prier là, tes putains d'amis! Arrêtez les gars, on en a marre là! J'en veux plus de ce mec là! Il fait de plus en plus de dégâts, c'est horrible genre! Mon roi, tout redeviendra comme avant! Oh là là, un peu plus de ce boss! Je fais une pause, je vais saturer, donc je me casse! Il faut me comprendre, hein, ça fait au moins une heure que je suis dessus, genre j'en ai ras le cul. Non, on va attaquer un autre boss plutôt. Et puis ça sera super. Hein. Ah mais comprenez-moi, j'en ai ras le cul, je reviendrai la tuer, mais il me semble qu'il faut le tuer le plus de fois. Mais je connaissais les patterns vers la fin, mais. Tout.
donc il y a un boss. C'est parti pour un nouveau boss, du coup. Bordel de merde. Putain, mais tape, bordel de merde! Casse les couilles! Mais tape! Putain, quel truc de mou! Ni de flux, c'est où ça? C'est ça. Et dans la tradition humaine, transforme le sort esprit vengeur en une horde volante de bébés flux. C'est quoi esprit vengeur? Je veux bien tester. C'est quoi esprit mangeur? Combien il coûte? Il coûte 3, donc ça doit pas être nul. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde dégueulasse? Nul à chier. Ok. On a éliminé ça. Ok, on a un boss, on a deux boss du coup vers la ruche, donc il faut aller déglinguer. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire mal?
Donc ouais, vers la ruche, on a deux boss de nouveau. Bah du coup c'est parti, on va aller leur niquer leur mère. Du coup ils sont un qui est dans une sorte d'endroit chelou là. Ok. Et bah le boss araignée du coup. Est-ce qu'il y a un arrêt quelque part par là? Il y a le métro. Bon, ok, il y a le métro, ça peut le faire. Ocean Man, we know what metro for the game. Bravo! Bof, hein. Enfin je veux dire pour le prix que c'est clairement. Pour le prix que c'est, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se faire chier? Est-ce que surtout ça vaut le coup de se priver d'une attaque à la longe genre? Voilà. Station cachée. Là du coup il y a deux boss dans cette zone. Donc on a enfin ce boss ici que j'ai pas compté, donc du coup trois boss, ce boss là et deux autres boss en haut. C'est bon, on commence à faire un peu de ménage dans le tas. C'est pas mal. Puisqu'on commence à enlever petit à petit le nombre de boss à la liste additionnelle. Ça fait plaise qu'on les élimine petit à petit. Après c'est une question de pattern etc. Bon, une fois qu'on aura éliminé les deux boss, c'est pas fini, il nous en reste plein d'autres des boss. Attaquer le boss ruche tout de suite. Putain, deux coups quoi. Bordel. Quoique, est-ce qu'on attaquerait pas le boss ruche? Non, j'ai pas envie. On va aller là-bas plutôt. Puis en même temps, on va full spam ça, hein. Ça peut être sympa. Yes. Ok. Donc là ce qu'il faut c'est aller là-bas. Nice. Pourquoi il y a un... Pourquoi il y a un chat noir? Le mec elle est fermée la fenêtre. Ah mais je suis pas l'ouvrir mon pote. Qu'est-ce que tu fous ici mec? Evany, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a la Champions League des chats dans ma chambre, mais vous êtes marrants les gars, mais... Non mec, je vais pas t'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils veulent ce chat putain. Alors moi ce que je veux c'est... aller vers le banc. Arrête de me regarder avec tes yeux, hein.
T'es pas chez toi, t'es pas chez toi mon pote, hein, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas te dire si t'es chez toi, non, t'es pas chez toi mon pote. Eh bah oui, non mais la porte, la fenêtre elle s'ouvrira pas. C'est pour ça que t'as pas compris en fait. Aïe, ça pique ça. Oui, va-t'en, dégage. T'es pas chez toi, point barre. Casse les couilles. T'es une Champions League de chat qui t'est arrivée. Non mais, quel tarlouse ce chat. C'est pas possible d'être une tarlouse comme ça, mec, t'es dans ma chambre. Je te... Tiens, Nick Taras. Tu crois faire ton BG là? En fait, il y a un chat. Je suis venu dans ma chambre. Puis voilà. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller là-bas? Oui, mais faut remonter par là-bas. Ah, mec, je m'en bats la race. Hein. Eh ben, miaou, miaou, miaou. Ouais, vas-y, je vais t'ouvrir. Vas-y, miaou, miaou, va dehors. Mais tu chilles pas dessus quand je te parle. Voilà, tu dégages. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais, avant toute chose, j'aimerais dire... Oh, sérieusement les gars, genre vous avez pas trouvé meilleur blagos. Là, moi ce que je veux, c'est avoir le lien en haut. Moi je veux le lien en haut, j'en bats les couilles. Toi, t'es vraiment une sourasse. T'as cru que j'allais te laisser en vie? Pas du tout, pas du tout. Oh, c'est pas très drôle ça, par contre. Les Français français, focus focus là. Chasser les anglophones de nos villes. Toi qui tente le 1v1 mon frère hein. Ce que vous savez pas là, c'est que vous me cassez les couilles. Mais il y a un lit juste au-dessus. Ça je suis sûr que vous le savez pas. Ah oui, je me ferai pas chier à la longue à faire comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce... Ok, c'est... Donc là il y aura un boss qu'on va essayer d'éliminer dans cet épisode, c'est fun. Comme ça dans le prochain épisode qui sera plus tard, parce qu'après il faut que je fasse des devoirs ou des conneries comme ça. Comme ça dans un prochain épisode. Putain, qu'est-ce que c'est pas drôle là? On va faire une petite blague, vous allez voir, c'est vraiment hilarant, hein. Les développeurs, vraiment très très drôle, hein. Vous allez voir, on a un humour un petit peu surdéveloppé, hein. Je vais pas me, si je puis ne pas me sucer la bite. C'est pas drôle ça les gars, mettre des stalactites. Alors moi ce que je fais du coup c'est aller dans cette zone, là-bas... Oui, tu vas pas jouer avec moi longtemps pote, hein, je te le dis, hein. Si tu veux jouer... Et c'est parti. Les Français, Français, focus, focus là. Aïe. C'est vraiment pas sympa tout ça. Mais... Fais ça. Ah.
Oh, ah, c'est moi qui suis mort. D'accord. Leogman. Ok. Je comprends à peu près les patterns. Il a pas beaucoup de patterns. C'est juste qu'il est très très chiant. Et il se rajoute des boucliers au fur et à mesure du temps. En mode, plus tu le PLS, plus il se rajoute des boucliers, le mec. Regarde la fille de pute. Wow! Arrêtez avec vos stalactites de merde là, ça fait rire personne, voyons. La seule personne que ça fait rire, c'est ton chien, bordel. C'est pas drôle, les stalactites. C'est pas de chance. Vous avez parcouru un long chemin juste pour mourir ici au bout du monde. Ne dites rien, j'ai déjà entendu des milliers et des milliers de belles paroles par d'autres comme vous. Votre fierté, vos désirs, vos désespoirs, ce ne sont que des choses que vous emportez avec vous dans la tombe une fois que je vous aurai battu. Fou, dégainez votre arme et mourrez comme ceux qui sont venus avant vous. Oui, alors. Ce que tu sais pas, mon grand, c'est que bon, t'as le droit de me tèger un petit peu, t'as le droit. Oh non, mais ça c'est un peu pute ça, monsieur, non. Alors ça c'est pute ça. Alors ça je connais et c'est un peu salope. Hein. C'est moi qui vous le dis, je suis pas le roi des cons. Hein. Est-ce que je suis safe là? Tu savais comment t'allais prendre cher, mon grand. Non, non, ça se fait pas de faire ça, Michel, putain. Le putain de dessin, Michel, bordel, ça me casse les couilles, Michel, avec toutes tes spams d'attaques de PD, là. Voilà, un petit coup. Hop. Et hop. Voilà. Oh, je t'ai enculé, Michel. C'est une petite enculade, Tintin, Michel, parce que là, je te baisais, Michel. Eh oui, je t'encule, Michel. Il y a des boss nuls, toi, t'es une merde. Jamais, je n'ai jamais été vaincu en combat. Vous n'êtes pas un véritable guerrier. Je peux me voir là-bas, toujours endormi. Depuis combien de temps suis-je resté caché ici? Ici, au bout du monde, personne n'aurait pu me trouver sauf vous. Guerrier, chevalier, roi et le temple lui-même, tout cela n'a aucun pouvoir sur moi, seulement vous. Vous êtes l'obscurité, vous me ramenez chez moi. Eh oui, Michel, t'as cru que j'étais un pédé, moi? Je te baise, putain. Au bout de deux coups, je te baise, enculé. Tiens, ne baisse ta mère. Corde à guide et un bouclier, c'est dégueu. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que vous a plu. Dans le prochain épisode, on va tuer. On va savoir comment on tue le collectionneur, on va tuer le roi des guêpes aussi, je pense que ça ferait un bon truc. Et je vais essayer de savoir comment on fait pour améliorer nos pouvoirs au maximum, hein, c'est-à-dire en noirceur comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et d'ici dans une prochaine vidéo. Bye!